Moi, qu'est-ce que j'aimais, c'est le contact. Pour être honnête, j'aimais comment on a travaillé en équipe et comment on a communiqué. Je trouve que c'est bien. Travailler avec d'autres groupes, parler avec eux, ça c'est bien. J'aime surtout venir ici le matin parce que rester à l'épide confiné là-bas toute la semaine, c'est dur. Pour moi, c'est dur mentalement. La première fois, je voulais rentrer parce que quand il y a trop de monde, j'ai peur. Oui, ça a marché. Parce que je pensais même pas qu'on allait faire un truc. Je pensais pas qu'on allait faire quelque chose. Pour de vrai, je croyais pas. Et dans le football, on avait une effectif. C'était de 28 joueurs. Donc, travailler en groupe ou être en groupe, moi, ça me met vraiment à l'aise. Pour moi, c'est un plaisir de découvrir les gens, faire des connaissances avec des gens, parler, rigoler un peu. Et en même temps, on est dans un beat de faire quelque chose. C'est une création collective de 30 inconnus en bois, suspendus, qui génère sa propre énergie pour avec des petites lumières dedans. C'était pas du tout clair, mais... Les dessins. C'est du grabouillage. Sim, on nous avait dit de fermer nos yeux et la personne qui était à côté de nous nous guidait à dessiner. Mais c'était un carnage. C'est vrai que vu comme ça, on se demande ce que c'est comme dessin. Enfin, on peut pas savoir que ça a été fait un peu en fermant les yeux. Quoi. Et ça donne du coup des sculptures très étranges. Et de ces sculptures très étranges, après, on en a fait des petits blocs. Et de ces petits blocs, après, on en a fait des grands blocs. Jordi, déjà depuis le début, il nous a dit qu'il faut avoir confiance en lui. Il faut pas avoir peur ou dire non, j'arrive pas ou dire des trucs comme ça, mais il faut se mettre en jeu en fait. Il nous a dit de se mettre en jeu. Et j'ai jamais imaginé que je vais faire un collage, que je vissais quelque chose, non. C'est la découverte, hein. Pour moi, pour fonder quelque chose, je sais pas, pour créer un truc, jouer un peu sur le hasard, quoi. On a scié des trucs. Puis on a vissé des trucs et puis ça a fait des grosses sortes de maquettes, des formes qu'on allait utiliser pour la forme finale. Tout le monde met un petit quelque chose. Il y a un peu tout le monde dans la structure finale. Même si c'est pas exactement ce que chacun voulait, c'est quand même bien. Alors, je le flash en feu et tu me dis. D'ici la semaine prochaine avec Julien, c'est comme on a fait aujourd'hui. Les feuilles de débit de toutes ces pièces-là. On part là-dessus. C'est ça la forme. D'ici à la fin du projet, on va chercher à réaliser cette forme. Si vous êtes d'accord, on part là-dessus. 10 fois plus grand. Ouais. On part là-dessus. Yes. Ah, merci. Ouais. Oh. J'ai trouvé très impressionnant et j'ai compris que le bois c'est pas juste pour fabriquer ou juste pour réparer des choses, quand les choses ils se cassent. Je sais pas, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 3 mois, mais je suis dans tous les jeudis subsistance, mais je sais pas c'est quoi l'objectif de subsistance. Alors, je sais pas. Je pense que je serai surprise. J'espère que je serai agréablement surprise à la fin. Mais c'est pas grave si je ne le suis pas. J'ai jamais fait de l'art, moi. Jamais. Je fais pas ça. C'est une première.
En fait, l'art, c'est inconnu, en fait. C'est inconnu. Il faut qu'on découvre, en fait. C'est ça que je trouve. Donc, du coup, la question, c'était si moi, je me sens artiste. Pas vraiment. Ah, moi, non. Je suis pas artiste, non. Ah oui, de ça, oui. Mais dans ma vie privée, non, je suis pas artiste. En plus, mon métier, c'est pas quelque chose d'artistique, quoi. Mais par contre, ça nous permet de voir, oui, notre côté artistique qu'on ne connaît pas. Enfin, je sais pas. C'est juste quand je comprends, c'est là que je me sens un peu artiste, mais j'ai pas trop d'idées. C'est juste, je suis les consignes. En plus, moi, j'aime trop construire. Ça, j'aime trop. Parce que si tu construis quelque chose, après, si tu le vois, j'ai construit ça, c'est moi qui ai fait ça. Ouais, je suis content. Quoi. Ouais, j'étais là, tu vois, j'ai participé et tout, je suis content. Je suis dans cette œuvre et je la vois. Parce qu'il y a un petit parti qui est... Ben, je ne veux pas préciser quelle partie de l'œuvre, mais je la vois. Ce que j'ai fait, déjà. Oui, ça m'apporte. Oui. J'en serais fier, parce que c'est moi qui l'ai fait. Ils ont droit de juger. J'ai passé quand même des semaines à faire ça. Après, chacun joue comme il veut. Mais je l'ai fait, vous êtes venus regarder, c'est pas mal, ça me fait plaisir. Pourquoi l'art? Je sais pas. Pour moi, l'art, c'était pour... C'est comme pour se nourrir. C'était ça pour moi, pour me ressourcer. C'est une ressource, hein. C'est quand j'ai faim, on mange et moi, je fais la même chose. Je sais pas, j'ai pas d'autre réponse.